Bonjour, voici l'histoire d'un petit ours qui a hâte de devenir très grand. Cette histoire a été écrite par Marine Schneider et elle s'appelle Pas plus haut que trois pommes. Pas plus haut que trois pommes. Tout au fond d'une tanière, il y a trois ours. Un grand ours, un moyen ours et un tout petit ours, pas plus haut que trois pommes. Lorsque petit ours se réveille, toujours le premier, il boit le grand bol de lait. Petit ours se coiffe les poils avec le grand peigne. Petit ours enfile le grand bonnet. Grand ours se réveille et s'étonne. Qui a bu mon grand bol de lait? Qui s'est coiffé les poils avec mon grand peigne? Et qui a mis mon grand bonnet? Moyen ours s'inquiète. D'ailleurs, où est notre petit ours, pas plus haut que trois pommes? Grand ours regarde sous la petite chaise, dans la moyenne armoire, dans le grand vase. Pas de petit ours. Moyen ours regarde dans la grande baignoire, sous la moyenne table, près du petit pot, toujours pas de petit ours. Mais dans la chambre, rassasié et repu, bien coiffé et bien au chaud, petit ours est profondément endormi. Le grand Grand ours et moyen ours s'approchent et murmurent. Petit ours, comme tu deviens grand, mais jamais trop grand pour un petit, un moyen, un grand, un énorme câlin. Et voilà, l'histoire est terminée.